je suis bon là. T'es trop haut ta main. Mais. Comme ça, voilà. Ah. Doucement, ça coupe bien. Doucement, ça coupe bien. Sinon, tu vas passer à travers. Enlève les copeaux, tu retires ta gouille à chaque fois, t'as tes copeaux. Et si t'as pas de place? Moi je peux. Eh mais tu peux pas, si tu fais pas. Eh, si moi je fais comme ça, je fais comme ça. Non, ah non. Tu vois la même main. Non, non. Et le côté là il est fini pour ça. Comme ça. Là, reviens là, regarde. Ah là. Comme ça. Il dépasse pas beaucoup, c'est pas grave. Comme ça. Oui. Et t'enlèves des tout petits copeaux, ça sert à rien d'enlever des gros copeaux. Non mais enlève quand même du copeau quand même. Tu vois bien ce qu'elle prend comme doucement quand t'enlèves rien en le tranchant. Merde. Non, tu vas taper dans la rosace. À côté. Non, ben non, ne remets pas de travers. Hein. Et puis, il faut que tu te penches hein, pour guetter ce que tu fais. Hein. Mmh. Faut que tu bien que tu guettes. Hein. Voilà, c'est bon. Alors, pote, il n'y a pas de gauche. Ici. Si. Et là, tu guettes pas. Et tu te mets pas comme il faut dès le départ. Là, je t'ai dit, tu commences là. Voilà, comme ça, vas-y. Tu l'enlèves dans le même sens. Comme ça. Tu l'as fait? Non. Après tu prends celle-là encore. Hein. Tout doucement. Il faut essayer de chercher le sens du bois. Quand ça arrache, tu changes de sens. Non mais là, il faut se mettre presque à plat. Hein. Non mais tu commences. J'ai pas commencé comme ça moi. Tu commences par une arête que tu as fait, mais tu relèves comme ça pour pas en choper trop d'un coup. Comme ça.
Si ça part trop comme ça, c'est que t'es à l'envers dans le fil, si ça craque comme ça. Bah, du coup, ouais.